Salut mes amis et bienvenue au Québec. Le sirop d'érable coule à flot, ma cabane est ouverte. Au menu, rôti d'échine de porc à l'érable. L'élément principal sera bien sûr l'échine de porc de chez mon boucher. Là voilà. Le sirop d'érable, en spécial à la pharmacie. Les légumes seront mes carottes arc-en-ciel du Québec et les grelots bleu, blanc, rouge. Les herbes seront le laurier frais, 3 feuilles. La cuisson se fera à la graisse de canard, bouillon de poulet, sel et poivre, l'huile d'olive pour les légumes. Et la cuisson du porc sera à 80 degrés Celsius au cœur. Première étape, poêle allume. Nous parlons bien sûr d'une cuisson au four. Four préchauffe 350 Fahrenheit, comme ça. La poêle est chaude, graisse de canard, une cuillère comme ça. De rôti, comme ça. Poivre, et assez, sel. Rôti, tourne. Sel, poivre. C'est assez. Rôti, tourne. Sel, poivre. Rôti, tourne. Sel et poivre. C'est bon. Le rôti, je le tourne régulièrement. Bien saisi. Sur le côté aussi, comme ça. Et voilà. Le rôti a une belle coloration. Rôti dans le plat, comme ça. Poêle dégraisse, comme ça. Fond de volaille maison, je déglace. On rentre le fond. Feuille du laurier. Dessus le rôti. Une, deux et trois. Rôti par-dessus. La poêle bien déglacée. Déglaçage sur le rôti, comme ça. Poêle terminée. Le four est à 350 Fahrenheit. Rôti dans le four. Et on l'oublie pour une heure. Durant cette heure, j'ai largement le temps à m'occuper des légumes. Bol, pommes de terre, lavées, dans le bol. Carottes, table, couteau, égalise, comme ça. Trognon, coupe. Carottes, tourne, égalise. Trognon, coupe, comme ça. Les trognons seront pour les oiseaux. Les carottes, bien sûr, ont été lavées. Carottes coupe 2, comme ça. Bon. Égalise, coupe, tourne. Égalise, coupe, comme ça. Oignon pour les oiseaux. Carottes coupe 2, comme ça. Bon. Huile d'olive, un peu comme ça. Sel, poivre du moulin. Les pommes, les carottes, comme ça. Les pommes de terre et les carottes iront au four dans une heure. Et je vous reviens dans une heure. Bye. Une heure sonne, 15. Le rôti n'est pas encore cuit. Rôti sort comme ça. Je le tourne. Les feuilles du laurier, je les retire. Sirop d'érable, j'ouvre comme ça. Sirop d'érable sur le rôti. Rôti tourne. La sonde, je pique comme ça. Je suis à 40. Le rôti retourne au four. Avec les légumes. Légumes four. Et nous en avons pour une autre heure. Après la deuxième heure, vérification des légumes. Légumes, les voilà. Pommes de terre rouge, pas de résistance, c'est cuit. Les bleus, hyper cuit. Les carottes, pareil. Sirop d'érable, comme ça. Mélangez un peu, comme ça. On met ensemble. Papier d'aluminium, comme ça. Et je réserve. Le rôti n'est pas encore à 80 Celsius, mais à 114. Il est super joli, louche, j'arrose comme ça, louche terminée. Le rôti revient au four pour environ un quart d'heure. Ferme, je vous reviens dans 15 minutes. Le rôti est à 79 et légumes, retour au chaud. Je suis rendu à 80 degrés Celsius au cœur, c'est prêt. Four éteint,
rôti sort. Le voilà. Les légumes sont chauds, on les sort. Sonde, on retire. Aluminium, on tire. On fait comme ça. Et on y va. Orange, on intercale les couleurs. Jaune, mauve, blanc et rouge. Maintenant, le rôti. Et voilà. Ficelle, passe par en dessous. Et voilà. Ficelle, on retire. La cuisson est super nickel. Pas trop sec, juste bien cuit. Tranche pas trop épaisse, comme ça. Une dernière. Et voilà. Maintenant, la sauce. Par-ci, par-là, comme ça. Sur les légumes. Décoration personnelle, feuille de laurier, comme ça. Maître d'hôtel, l'échine de porc à l'érable est prête, on enlève, table 55. Et merci à vous qui me suivez en Haute-Savoie et partout ailleurs. Salut, bye. Et merci bien d'avoir suivi les vidéos. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et suivez mes réseaux sociaux. Et si vous avez des questions ou des suggestions, allez sur ma section commentaires ici. Nous avons maintenant une boutique qui est ouverte sur notre site internet pour les tabliers comme ça. Les tabliers sont faits à la maison, à notre façon. Et pour la vidéo de la semaine dernière, il est ici.